Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre nouveau entretien que nous réalisons en exclusivité avec Moinoka Espoir. Monsieur Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos compatriotes partout où ils se trouvent. En direct sur Congo Live ce matin, alors nous allons parler en tout cas de plusieurs questions d'actualité, mais on commence d'abord par... La situation dans les retours au espoir, quelles sont les dernières informations que vous avez? Parce que vous êtes parmi en tout cas ces personnes, ces activistes de droits humains en Nord Kivu qui suivent de près ce qui se passe dans les retours. Aujourd'hui, je rappelle que nous sommes en tout cas les vendredis. Ce matin, quelles sont les dernières informations que vous avez sur toutes les lignes de front au niveau des retours? Bon, les dernières informations, premièrement, il faut préciser que lors des affrontements récents que commettaient ces inciviques terroristes d'M23, ils étaient repoussés et donc certaines de leurs positions ont été récupérées par nos FRDC. Maintenant, aujourd'hui, là, vendredi, il y a accalmie, ils ne se sont pas affrontés. Mais nous autres, on pensait comme demain, on peut le dire ainsi. Demain, c'est le sabbat et ils ne se battent pas le samedi. Oui. Ça doit être aussi quelque chose que nos FRDC doivent profiter, puisque moi, je pense que c'est parmi leurs faiblesses. Mm-hmm. Et les FRDC devraient profiter pour mettre en état de nuire ces inciviques. Mais il faut dire que c'est depuis hier soir que la calmie est revenue sur... les lignes de front au niveau des retours, parce qu'il faut rappeler qu'il y a plusieurs fois qui ont été, donc il y a plusieurs lignes qui ont été ouvertes là où les FARDC s'affrontaient. Mais s'il faut revenir sur cette dépêche de nos confrères de la radio Okapi qui parle que l'armée dénonce, en tout cas, là je parle l'armée congolaise, qui dénonce des graves violations de droits humains lors des attaques du M23 les 16 août, voilà, l'armée a dénoncé de graves violations de droits humains lors des attaques du M23 le mardi dernier contre ses positions de Rwanguba et Rangira. Là, nous sommes dans le groupement de Jomba, c'est un territoire de Rutshuru, bien sûr. Dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi à Rutshuru, les commandants du secteur Sokolade, le général de brigade Clément Bitangala, confirme que 5 blessés parmi les civils, à côté des dégâts sur les installations de l'ICSN, c'est contrairement en tout cas à 3 morts et 5 blessés annoncés il y a 2 jours. Il dit, je cite, il s'agit notamment de la largue des bombes sur les habitations civiles à Tchegera, dans la localité de Rwanguba, et Rangira, causa 5 blessés parmi la population civile, dont Sabimana, donc il a cité quelques noms, mais il faut préciser que le même document qui a été signé par l'armée congolaise ajoute que ces rebelles ont aussi, en tout cas, procédé à l'attaque à l'artillerie, voilà, sur les chantiers d'une centrale hydroélectrique, voilà, du parc national de Virunga. On a également le communiqué qui a été rendu public par l'ICSN. L'ICSN qui est en tout cas une branche également du parc. L'ICSN a dénoncé cette manière dont elle a été victime également des attaques de la part du M23. Mais s'il faut revenir sur ce communiqué là de l'armée qui dénonce en tout cas des graves violations des droits humains lors de ces attaques contre plusieurs positions FRDC dans les retours. Comment vous analysez cela? Excusez, nous l'avions toujours dénoncé. Mm-hmm. Comment est-ce que l'M23, ces terroristes, violent les droits des populations civiles, c'est que les droits de l'homme en général. Mm-hmm. Mais il faut préciser qu'il y a plusieurs violations grave des droits de l'homme. Mm-hmm. Et moi, je pense que quand on avait traité l'M23 des terroristes, le chef de l'État avait totalement raison. Mm-hmm. Puisque parmi ces violations graves, il y a les crimes de guerre, il y a les crimes contre l'humanité. Mm-hmm. Et nous autres, on aimerait que l'M23, qu'on puisse vraiment faire des recherches
quant aux crimes qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui dans les Rutshuru. Mmh. Attention, on ne peut pas s'attaquer aux populations civiles, les gens qui ne sont ni armés, les gens qui n'ont même rien qui peuvent faire taire ou bien taire aux 1-23. Mais lorsque vous vous donnez cette audacité de larguer des bombes sur les populations civiles, ce sont des crimes graves, monsieur le journaliste. Et nous, on s'est dit qu'il fallait que des instances internationales puissent se saisir de cette situation. Parce que l'1-23, aujourd'hui, c'est devenu l'arbre qui cache toute une forêt. Dont ses partenaires certains sont connus et d'autres ne sont pas connus. Oui. Et nous aimerions que tout le monde qui est derrière l'M23 soit traduit aussi en justice comme co-auteur de ces violations graves des droits de l'homme sur les journalistes. Aujourd'hui, si on peut revenir sur les villages occupés aujourd'hui, oui, bientôt il y aura rentrée scolaire. Comment est-ce que nos petits frères vont se rendre à l'école tant que leur région, leur milieu d'habitation est sous emprises ou sous emploi de ces terroristes M23? Nous autres, je ne crois plus au cessez-le-feu, puisque j'ai suivi une vidéo dont le chef de l'État parlait du cessez-le-feu. Nous, on aimerait que notre armée soit encore outillée davantage afin de mettre hors état de nuire ces inciviques avant la rentrée scolaire, monsieur le journaliste. Mais plusieurs observateurs s'interrogent par rapport à cette reprise des hostilités de Pandaou qu'on suivait, ce qui se passe au niveau national et où les chefs de l'État qui c'est que dit, voilà, le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu ses homologues africains dans le cadre de la SADC. Pour certains, si le M23, donc, je parle, les mouvements relancés, les hostilités, c'est parce que, en quelque sorte, les rebelles voulaient mettre pression au pouvoir de Kinshasa. Est-ce que vous partagez les mêmes avis que ces gens qui pensent dans cette manière? Non, vous savez, à la fois dernière, quand Anthony Blinken était ici, oui, ils avaient encore lancé des hostilités. Mmh. Lorsque le chef d'État, membre de la SADC, arrive à Kinshasa, il lance encore des hostilités. Et rappelez-vous, quand le pape François voudrait venir au Congo, oui, ils avaient encore lancé des hostilités. Mmh. Moi, je pense que parmi les techniques de guerre, c'est parmi la communication aussi de combat. Oui. Lorsque vous savez que votre agresseur, votre adversaire sera soit en cérémonie ou bien quelque part de bien, vous devez l'attaquer pour voir est-ce qu'il peut vous négocier, que vous cessez les hostilités, est-ce qu'il va accepter votre métandie, est-ce qu'il va accepter ce que vous l'exigez. C'est que nous autres, les autorités devraient aussi en tirer conséquence et les sauts, puisque lorsqu'il y a des autorités de marque au Congo, ils doivent mettre pression pour voir si leur question sera discutée avec les visiteurs. Mais aussi, il faut se poser une question. Pourquoi, lorsqu'il y a certaines autorités, c'est maintenant que l'M23 doivent se battre? Moi, je peux prendre l'exemple de M. Blinken. Mm-hmm. Blinken, qui est un secrétaire d'État américain. Mm-hmm. Et vous savez, les relations diplomatiques entre le Rwanda et les États-Unis. Mm-hmm. Et vous savez, des relations entre le Rwanda et l'M23. C'est tout à fait clair. Alors maintenant, il fallait qu'on se pose la question. Est-ce que dans la SADC, il y aurait aussi un proche d'eux? Ce sont des questions que nous devrions nous poser normalement. Et nous ne devons pas voir les rideaux devant nous. Il faut voir ce qui se cache derrière les rideaux, monsieur le journaliste. D'accord, merci Espoir. Je rappelle que nous sommes en tout cas en direct sur Congo Live Télévision. Je rappelle que vous êtes un activiste des droits humains. Nous analysons ensemble, en tout cas, cette question qui reste pertinente, qui persiste également liée à la présence des M23 dans les Rutshuru. Mais monsieur Espoir, vous avez suivi, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, plusieurs Congolais semblent saluer en tout cas le discours du président Tshisekedi devant ses homologues africains, car surtout, il a prononcé en pointant du doigt les Rwanda, en citant d'abord les pays voisins, notamment les Rwanda qui agressent. En tout cas, cette fois-ci, il a dit cela et il a confirmé que les Rwandais, en tout cas, agressent aujourd'hui la RDC. On a suivi les Congolais sur les réseaux sociaux. Certains, en tout cas, ont vraiment salué ce discours, cette façon dont le président Tshisekedi a prononcé cela devant les chefs d'État africains. Comment vous avez reçu cela?
Nous sommes un peuple souverain et nous devons exercer la souveraineté nationale. Et la souveraineté nationale s'étend sur les Tandides, c'est que sur les 2 345 000 km² de la RDC. Comme le chef de l'État, personnellement, lui a reconnu, puisque c'est parmi les choses qu'on décriait du jour au jour, nous, mouvements citoyens, société civile et autres, on décriait cette agression rwandaise. Mais certaines autorités n'en prenaient pas compte. Attention, la parole du chef de l'État fait foi à une loi, monsieur le journaliste. Comme le chef, lui, s'est l'a déclaré. Mais il fallait qu'on déclare la guerre une fois pour toutes au Rwanda. En fait, de mettre l'agresseur hors état de nuire, monsieur le journaliste, nous sommes à mesure, nous avons une armée à mesure de contenir les Rwandais, puisque attention, les Rwandais n'est égal qu'au territoire de Walikale, monsieur le journaliste. Qui a une armée forte. Hein. Non, ils n'ont pas une armée forte. Imaginez votre maison ici et l'hôtel Serena. Mais qu'est-ce qu'on peut contenir avant, entre votre maison et l'hôtel Serena? Quelle est la plus grande? C'est que... Mais c'est pas la même chose, là, on parle des pays. Exactement. Ils n'ont qu'un petit nombre de militaires, puisqu'ils n'ont... Mais ce sont des militaires forts. Vous avez suivi ce qu'ils ont fait en Mozambique. Hein? Non, qu'est-ce qu'ils avaient fait à part tuer les civils? C'est comme ils avaient fait lorsqu'ils étaient... Ils ont libéré plusieurs villages. Ils n'ont pas libéré. Déjà... Ce sont des gens qui fouillaient leurs collines, leurs villages. C'est que les gens doivent être clairs. Ce qui est sûr, nous, la population civile congolaise et rwandaise, nous n'avons pas de problème. Puisque les Rwandais se mouvaient au Congo, les Congolais se mouvaient au Rwanda. Malheureusement, la politique de M. Kagame, la politique d'infiltration, un génocidaire tout fait, c'est ce qui cause qu'à ce que des relations soient tendues entre les Congolais et les Rwandais. Mais d'une manière claire, et en suivant l'historique, de la ville de Goma et Gisenyi, nous sommes presque des voisins. Nous sommes des voisins éternels. Et c'est comme si vous mariez même les Rwandais. Hein? Oui, on se marie entre nous, c'est normal. L'amour n'a pas de frontières. Il n'y a pas la guerre. Mais il n'y a pas la guerre. Mais ce qui fait mal, c'est de voir qu'aujourd'hui, M. Kagame a tout fait pour qu'il y ait détérioration de cette cohabitation rwandaise et congolaise, monsieur le journaliste. Nous autres, on a été tous très contents des propos tenus par le premier citoyen, ça il faut préciser, le président Tshisekedi. Mais nous voulons que ça ne soit pas seulement s'il est dire, nous voulons qu'il y ait des faits, monsieur le journaliste. Les faits, c'est faire quoi? Non, les faits, c'est d'armer notre armée jusqu'au dents, et les faits, c'est de mettre Kagame hors état de nuire, monsieur le journaliste. Mais c'est simple, si on sécurise nos frontières comme il faut, si on fait une dotation meilleure à notre armée, si on prenait en considération la vie des militaires, mais comprenez que je ne vois pas un militaire rwandais qui peut jouer avec un militaire congolais. Un militaire congolais peut prendre au moins des régions du Rwanda. Nous avons une armée plus forte et plus puissante, mais ce qui reste encore, c'est l'organisation interne. D'accord, alors. Merci beaucoup, M. Espoir. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Vous avez suivi la communication hier du gouverneur, le général Constant Ndimakongba, sur le départ de la MONUSCO. Et en tout cas, cette déclaration ou bien cette communication qui a été... on a suivi, c'est controversé. Il y a la MONUSCO qui a contredit cela. Comment comprendre ceci? Il faut d'abord revenir sur les propos de la MONUSCO, parce qu'il faut d'abord rappeler que lors d'un point de presse animé hier à Butembo, le général Constant Ndima, qui est le gouverneur du Nord Kivu, a confirmé que les casques bleus ou alors la MONUSCO a déjà quitté la zone de Butembo. Mais quelques heures après, nous avons suivi la MONUSCO qui a rejeté et qui a démenti cela. C'est par simple, car on nous dit, quand nous revenons sur cette dépêche de nos confrères d'Africa 54, qui dit la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, MONUSCO, ne s'est pas en tout cas retirée de Butembo Nord Kivu, contrairement à ce qu'a annoncé le gouverneur militaire de Nord Kivu, Constant Ndima, lors d'un point de presse, au terme de son séjour de son séjour de 3 jours dans cette ville d'où sont parties les manifestations anti-MONUSCO. Selon Ndeye Kalidilo, porte-parole intérimaire de la MONUSCO, celle-ci procède plutôt à l'évacuation du matériel et de son personnel de Butembo vers d'autres sites, notamment Beni. Une contradiction totale. Comment comprendre cela?
Non, il n'y a pas eu Est-ce que contradiction. c'est une façon, peut-être pour les gouvernements ou les gouverneurs militaires, de calmer la population qui exige toujours le départ de la MONUSCO, et bien que la MONUSCO aussi n'a pas bien communiqué encore, et qui a vite aussi dit non, on est là, on ne quitte pas Boutembo. D'ailleurs, je l'ai suivi ce matin ici, la RFI. Cette dame, elle a confirmé que la MONUSCO, elle est à Boutembo, elle ne va pas quitter là. Donc, c'est ça ses propos. Moi, personnellement, je ne vois pas une contradiction. Mais il faut savoir que dans les dits, il y a les non-dits. Et les non-dits, c'est ce que le gouverneur lui a dit à la population. Et le gouverneur sincère qu'il était, il fallait dire la vérité, excusez, à sa population. Mais chose grave, c'est cette communication choquante de la MONUSCO. Lorsque un citoyen congolais, puisqu'il n'y a pas que le gouverneur soit gouverneur, mais c'est un citoyen congolais. Lorsque un citoyen congolais, libre de dire ce qu'il pense, que c'est ce qu'il fallait faire, il dit que vous êtes quitté déjà et vous dit, vous vous donnez ce pouvoir de dire, on ne quitte pas, on est ici, mec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vouloir créer encore une tension au sein de la population. Mais aussi, il fallait préciser aussi au groupe que ce n'est pas la population de Boutembo celle qui réclame le départ ou bien retrait de cette force inutile onisienne. C'est la population congolaise en général. C'est qu'au Nord Kivu, parmi les 26 provinces, partout où ils se retrouvent, nous voulons qu'ils se retirent. Point barre. Et s'ils ne se retirent pas, comme je vous avais encore dit, mais ils vont partir de gré ou de force, soit voir partir dans des sacs, monsieur le journaliste. C'est tout à fait normal. Nous autres, nous pensons que monsieur le gouverneur devrait maintenant tout faire pour que ses propos soient consommés dans la population et pour que ses propos soient justes. Mais malheureusement, ça a été contredit vite, oui, ça a été démenti par la MONUSCO. Hein. C'est ce qu'elle devrait toujours dire. Mais nous autres, nous tenons sur ce qu'a dit un citoyen congolais, le gouverneur. C'est que comme ils ne sont plus à Boutembo officiellement, c'est là qu'on va retrouver à Boutembo, c'est qu'ils sont des récalistrants. Et il faut les... Exactement, c'est qu'ils sont des récalistrants puisque nos autorités savent qu'ils ne sont plus là-bas. C'est que mais la MONUSCO n'est plus à Boutembo, c'est d'après les gouverneurs. C'est que celui qu'on va retrouver à Boutembo, il sera considéré comme un récalistrant, monsieur le journaliste. Mais la MONUSCO a demandé cela. Nous ne pouvons rien attendre de la MONUSCO. Il y a un citoyen congolais, le premier citoyen de la province, a dit qu'ils ne sont plus à Boutembo. C'est que c'est là qu'on va retrouver à Boutembo, seront traités comme des adéfinals. C'est grave. C'est pas grave. Nous, je vous dis, nous sommes une population bien éduquée et le gouverneur a dit qu'ils ne sont plus vous à Boutembo. Allez suivre les mots. La voix de qui compte entre la voix de cette dame de la MONUSCO ou bien la voix du gouverneur? Le gouverneur, c'est l'un de nous. Bon, c'est pas question de la vous l'aimez quand même. Bon, on ne l'aime pas, il fait ce qu'il peut faire, c'est pas question d'être aimé. Alors, l'un de nous a dit qui est le gouverneur, un citoyen congolais, il a dit la MONUSCO n'est plus à Boutembo. Et toi, tu dis, nous, MONUSCO, nous sommes encore ici à Boutembo. Mais tu es un récalistrant. Et comme tu es un récalistrant, on va t'apprendre à être un citoyen. C'est que rentrer dans votre pays, comme un citoyen de la province a dit que vous n'êtes plus là. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Ok, d'accord, mais quand même ça. Ça, c'est grave. Ok, parlons aussi pour finir, s'il vous plaît, avec cet entretien. Revenons aussi sur cette actualité. Aussi, le président Tshisekedi s'est exprimé, en tout cas, c'est la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est et Yaseda. La partie, en tout cas, orientale du pays, le chef de l'État congolais a confirmé les militaires. Ok, les militaires burundais, pardon, déployés depuis le lundi 15 août au site qui vous sont arrivés dans ce cadre. Donc, c'est la première fois, en tout cas, que le président Tshisekedi s'exprime ouvertement sur cette question. Il faut, en tout cas, préciser que, quand même, le chef de l'État a ajouté que la date du déploiement de toute la force régionale de l'EAC dans l'est de la RDC n'est pas encore fixée. Mais la dynamique est en marche. Ça, c'est le président Tshisekedi. Oui, c'est quelque chose que nous saluons, cette vérité qu'il a dit. Mais nous autres, nous, on avait écrit une lettre, ça, il faut qu'on précise l'opinion. Oui. On avait écrit une lettre au président de la Commission Défense et Sécurité, oui. Concernant c'est l'honorable Mubonze, Berthe Mubonze. Oui. On l'avait saisi, et on avait saisi aussi les chefs de l'État concernant cette force de l'EAC. Mais nous autres, ce que nous craignons
que les agresseurs soient encore membres de cette communauté. Ils le sont d'ailleurs. Qui sont ces agresseurs? Non, les Rwandais, monsieur le journaliste. Okay, et l'Ouganda aussi, il faut préciser. Ce sont nos amis l'Ouganda. Non, l'Ouganda, nous sommes dans l'amitié d'hypocrisie. Ça, il faut que les gens le sachent. Il y a des opérations Shujaa qui sont encore... Non, qui ne produisent rien, monsieur le journaliste. C'est que cette force aussi risque d'être une deuxième UNESCO, comme nous pensons que l'état de siège aussi, c'est une troisième UNESCO. Et nous, on s'est dit, on dit clairement au chef de l'État, nous ne sommes pas d'accord, mais comme ça a été fait, nous aimerions que nous ayons contrôle total de ces opérations. D'accord. C'est que ces opérations soient conduites et guidées par nos militaires congolais. Puisque nous craignons, attention, il y a risque que même les citoyens congolais soient victimes de ces opérations, surtout quand on est... dans les Mwenga là-bas, dans les hauts plateaux, là c'est grave. Nous risquons de vivre ce qu'on avait vécu dans les Rutshuru, à l'époque où les Rwandais se disaient qu'ils sont venus traquer les œufs de l'ère Nyatura. Merci beaucoup, Espoir. Nous sommes en tout cas pratiquement à la fin de cet entretien, mais avant qu'on se sépare, vous allez juste en tout cas lancer un message, comme à l'accoutumée, à notre armée congolaise, les FARDC. Nos soldats qui se battent en tout cas jour et nuit dans les Rutshuru et partout, à Beni, Ituri, même au site Kivu, dans le même objectif en tout cas de défendre, protéger les peuples congolais et les pays en général. Le message pour ces militaires en tout cas. Avant d'arriver à nos militaires, je veux dire d'abord à nos députés nationaux. Cher Eli, vous êtes dans l'Assemblée, ce n'est pas pour votre propre volonté, c'est la population qui vous avait élu. Ils ont un mandat? Non, c'est nous qui leur avions donné ce mandat. Et nous aimerions que ce mandat soit bénéfique à la population en général. Et il faut bien le boulot. Deuxième des choses, nous ne voyons rien de leur travail. Mais ils ont eu des palissades? Non, ces palissades, c'était pour les acheter. C'est qu'on les a transformés en garçons de course. Alors, en oubliant qu'ils sont... Ils devraient être des garçons de course de la population. Maintenant, nous aimerions que cet argent que vous gaspillez, que vous puissiez revoir les budgets de la défense nationale, c'est que, qu'ils puissent légiférer lorsqu'ils vont rentrer, je crois, ici le 15 septembre, dans leur rentrée parlementaire, nous aimerions qu'ils puissent légiférer pour la défense et sécurité. Et dans la défense et sécurité, nous aimerions voir un député toucher même 1 000 $ qu'un militaire touche 1 500. C'est honorable, 1 000 $ CP, mon frère. C'est beaucoup. Pour un député national congolais. C'est beaucoup pour les députés organisés. Non, c'est pas beaucoup. Il faut un grand travail. Oui, c'est l'armée qui travaille dur que les députés. Mais 1 000 $ pour un député national encore congolais, c'est peu. C'est beaucoup. Il doit voyager, il doit se rendre dans sa base. C'est beaucoup. Monsieur les journalistes, nous sommes dans un pays où la population est devenue très, très pauvre et que les députés et les généraux deviennent des riches du jour au jour. Oui, parce qu'ils travaillent pour ça. Oui, ils ne travaillent pas pour devenir riches. Moi, je pense que les mentales... Ils doivent voyager, ils doivent faire tout. Non, voyager... Ils doivent venir dans leur base respective. Dans leur base, ne demande pas que vous ayez 49 000 $. Non. Ok, d'accord. Que, pour voilà. Finir, s'il vous plaît. Alors, pour nos FARDC, je dis toujours d'abord à nos autorités, il faut revoir les budgets de la défense et sécurité. Moi, je pense que dans d'autres pays, on investit pour la défense et sécurité puisque c'est votre armée qui fait les biceps nationaux. Chez nous, c'est le cas contraire. Nous demandons aux autorités de voir comment est-ce qu'on peut doter de moyens conséquents. La logistique, vraiment, que ce processus soit vraiment accéléré. En fait, de voir comment est-ce qu'on va armer notre armée. Merci beaucoup. Et aussi revoir leur vie. C'est qu'il fallait... qu'il y ait des mesures de prise en charge normales pour notre armée et notre police et d'autres services de sécurité. Merci beaucoup. J'ai dit félicitations à notre armée, à tout ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, mais vous battez pour ce pays. Merci. Nous sommes derrière vous, nous vous encourageons et nous vous accompagnerons jusqu'à ce que nous rendrons l'âme. Merci beaucoup. Il faut rappeler d'ailleurs que depuis l'arrivée du président Tshisekedi, en tout cas, les conditions des militaires et policiers s'améliorent petit à petit. Nous suivons des témoignages, des proches, des enfants des militaires. En tout cas, certains témoignent qu'il y a quand même des avancées sur ce plan-là. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes en tout cas à la fin de cet entretien. Espoir, merci d'avoir été là ce matin. Merci, monsieur le journaliste. On s'occupe par le numéro de téléphone, comme d'habitude. C'est là qu'ils veulent nous
conseiller peut-être, nous joindre dans... Mais pas conseiller, au Jade Boutembo aussi, de s'apprendre à la MONUSCO, comme le gouverneur a dit, même s'il y a une contradiction, il faut rappeler qu'en tout cas la MONUSCO, elle est toujours là. Monsieur le journaliste, pour conclure, je vais donner mon numéro, mais nous allons suivre la voie d'un citoyen congolais, monsieur le gouverneur. La voie de la MONUSCO, excusez, n'est pas suivie. C'est que nous savons qu'ils ne sont plus à Boutembo. Ceux-là qui sont à Boutembo sont des récalistrants. Et vous savez les sorts qui est réservé aux récalistrants. Oui. Nous sommes sur le plus 243 9 90 66 42 08. Merci beaucoup. Fin de cet entretien, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. On fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.